Adieu, Mila. Oh, ta zut. Mila. Par ici, Mila, tu chauffes. Trouvé. Viens là que je t'attrape. Allez, Mila, raconte-nous une histoire. Oh là 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 là, ce n'est pas possible. Comment faire? J'ai un gros énorme problème. Mes copains Lucie, Erwan et Louis m'ont invité à venir jouer chez eux. Quoi? Tu trouves que c'est super? Ben non, 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 pas du tout. Parce qu'ils n'habitent pas ensemble. Alors chez qui je vais? Je ne sais pas moi. Je suis comme Lissimba. Je n'arrive pas à choisir. Je vois, tu ne connais pas son histoire. Pas de problème, je te la raconte. Enfin, il faut que je réfléchisse. Je te la raconte maintenant ou je choisis d'abord chez qui je vais jouer? Je rigole. Bien sûr que je vais te raconter l'histoire d'abord. Allez, Zouz, c'est parti. Lissimba se décide. Là, c'est la case de Lissimba. Il habite juste à côté d'un manguier. C'est son fruit préféré. Mais depuis tout petit, il a du mal à choisir. Regarde. Oh, ah, quelle belle journée. Tiens, je vais manger une mangue pour le petit déjeuner. Miam. Oh, mais laquelle choisir? Celle-là? Oh non. Oh là là, c'est trop dur. Je ne sais pas laquelle choisir, j'en ai assez. Ah, là, ce n'est pas compliqué quand même. Les mangues sont toutes bien mûres. Lissimba n'a pas besoin de choisir. Oh, j'ai une idée. Je n'ai qu'à prendre n'importe quelle mangue au hasard. Amstram Gram. Oh, où sont toutes mes mangues? Oh non, j'ai encore hésité trop longtemps. La 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 la, et me voilà sirène, princesse jolie reine, amoureuse de ma voix, quel roi m'épousera? Oh là là, en voilà un qui est tous amoureux. Qu'est-ce qu'elle chante bien! Je suis très amoureux! Je n'ai jamais été aussi heureux! Tralalala! L'amour, c'est fabuleux! Et puis, c'est génial! Je n'ai même pas à choisir! J'arrive! Oh! C'est pour vous? Pour nous? Comme c'est gentil! Comment ça, pour nous? Hein? Des jumelles! Oh là là! C'était trop beau pour être vrai. Voilà que Lissimba va de nouveau devoir choisir. Et entre deux sœurs jumelles en plus. Oh, 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 oh. Alors Lissimba décida de demander conseil à son grand-père, un grand sorcier qui habite la montagne. Grand-père, j'ai besoin de ton aide. Lissimba, ne me dis rien, j'ai tout vu. C'est autre chose que ton affaire de mangue cette fois. Et même si ces deux jeunes filles se ressemblent comme deux gouttes d'eau, pas question de choisir entre elles au hasard, n'est-ce pas? Et hop! Tu dois découvrir leur cœur. Mais comment faire? Moi, je ne sais pas. Oh, 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 tchou! Oups! Tu es grand maintenant, tu dois apprendre à choisir. Va dans la crypte et trouve le fétiche du choix, et il te permettra de toujours bien choisir. Bonjour, Lissimba. Nous sommes les fétiches du choix. Comment ça, les? Grand-père ne m'a parlé que d'un seul fétiche. Effectivement. Il n'y a parmi nous qu'un seul fétiche du choix qui puisse te convenir.
et il deviendra ton serviteur à une seule condition, que tu le choisisses bien. Mais comment? Vous êtes tous pareils? Nous comptons jusqu'à 10. 1, 2, 3. Lissimba, mon grand, 4, ne te laisse pas aller, c'est la chance de ta vie. Allons, 5, comment faire? 6, tous ces fétiches sont identiques. Et ils m'ont dit que 7, le bon fétiche serait celui que je choisirais. 9. 9, 3 quarts. Toi! Bravo! Ah, tu vois, ce n'était pas si dur de me choisir. Oui, j'ai réussi! Ça y est, j'ai choisi! Fétiche, aide-moi! Ne te fie pas aux apparences, écoute ton cœur. Ma sœur! Tu manges encore une mangue? Mais comment peux-tu aimer à ce point ce que je n'aime pas? Bleh! Tu dois avoir le cœur en mangue à force d'en avaler. Allô, Zidane? Waouh! C'est cette jeune fille-là ma préférée, sans hésiter. C'est elle que j'aime. Merci, fétiche. Bonjour. Bonjour. Tu veux une mangue? Serre-toi. Oh. Merci. Voilà, depuis ce jour, Lissimba n'a plus de problème de choix. Et il n'a même plus besoin de son fétiche. Ça y est, c'est fini, ça t'a plu? Chouette alors! Bon, mais moi je n'ai toujours pas décidé chez qui je vais jouer. Attends, j'ai trouvé! Je vais tous les inviter! Comme ça, je n'ai pas besoin de choisir! Allez, je vais leur téléphoner! Salut, salut! Ah oui, toi aussi tu es invité!